on va aller faire l'attraction des incroyables. Les incroyables. C'est pas les incroyables? C'est quoi? Les indestructibles. Les incroyables. On va aller faire les incroyables. Les indestructibles. On va voir ce que ça donne aussi, parce que là on a le LinkedIn Lane. Donc là c'est parfait. Voilà, donc ça, on enchaîne du coup, c'est sympa. Allez, on y arrive, c'est par là-bas. Ah, on enchaîne, hein, par contre. Ah, attraction là, oh, ça a l'air sympathique, hein. Ça a l'air sympathique. Ah, ça va, il pleut déjà moins. Ou pas. Des incroyables, des incrédibles, tout ce que tu veux. Waouh, on a pris la trage à la figure, ça faisait mal tellement que les coups tapaient dans notre visage, c'est un truc de fou. Normalement, en temps normal, sans pluie, ça doit être sympa. Hein. On est peut-être pas encore là. On n'a absolument rien vu de l'attraction parce que l'eau arrivait tellement fort, ça faisait mal, comme des petites lames qui nous percutaient. Et du coup, en fait, on a dû quasiment faire toute l'attraction en fermant les yeux. Donc au final, grâce à la GoPro, on va pouvoir voir au travers des images l'attraction en elle-même, parce qu'on l'a fait quasiment full. On l'a fait quasiment full les yeux fermés. Là, on est... Et ça fait... Voilà. Donc du coup, ben, j'ai filmé avec la GoPro. Ben, finalement, on va pouvoir voir l'attraction via les images, quoi. Parce que là, on n'a rien vu. On n'a rien vu. Et par contre, elle est super longue. Hein. Elle est très longue. Elle est vraiment. Donc voilà. Mais ça faisait mal, comme des petites lames sur le visage. Des grelons dans la gueule. Alors, ce sont les premiers personnages qu'on croise. À mon avis, vu les conditions météo un peu plus compliquées là ces jours-ci, à mon avis, ils se baladent moins. Apparemment, dans ces parcs-ci, on en voit beaucoup. Habituellement, on doit en voir beaucoup. À mon avis, ils partent en pause après. Donc voilà. Un peu compliqué, mais au moins, on en a vu trois. Ouais, c'est trois d'un coup quand même. Hein. Trois d'un coup. Et ils dorment.
une attraction sans Arine. Urine. Et apparemment... Attends, Amanda, on a déjà fait ça à Disney World. Ouais, mais c'est pas le même... Ah, on l'a déjà fait. C'était tous les mondes à Disney World, mais ici c'est que la fête. Ok. All right. À chaque fois, il y a une file de ouf, mais je pense qu'on l'a quand même fait une fois. D'accord, ok. On a pu avoir une fois... Ok, je ne sais plus du tout à quoi ça correspond, ce que c'est. Donc, totale découverte. Je vais peut-être brancher la GoPro aussi. Fois, on l'a fait une fois. Oui, oui, ben, c'est avec un écran. Hein. Ah. Okay, bon, on verra. Je ne me rappelle pas du tout de ça. Ah. Sympathique, même si ça mériterait une petite mise à jour en haute définition, voire en 4K. Hein. Voilà. Mais bon, c'était sympa quand même. Bon, allez, voilà. Allez, maintenant on va aller manger parce qu'on a faim. Et ensuite, on verra pour le reste. Hein. Parce qu'il faudrait que je digère et que je fasse une sieste aussi. Qu'est-ce qu'il fait, Johnny? Je vais enfin. En direct à la caméra, bon, enfin. Regarde. Le cochon, ouais. Cochon. Aussi. Ouais, regarde, toi, le monde entier va voir dans ce vlog que Johnny c'est un cochon. Oui. Ah, bon, allez, on va aller manger. Et ensuite, on va digérer. Allez, on va retourner à l'hôtel faire une petite sieste. De 2 ou 3 heures. Moi, j'ai besoin d'une sieste. Hein. Bon, regardez-moi ce burger. Généralement, on n'a jamais des burgers aussi bien servis. Après le prix, je sais pas s'il est conforme à ce qu'on a l'habitude d'avoir à Disney World par exemple, parce que bon, c'est notre seul point de comparaison. Ouais. 14,99€, ouais, donc c'est vrai. 4,59€ le Go-Kart. Ouais, c'est plus ou moins ça. Donc 20 balles le menu. Mais en tout cas, le burger, il est quand même pas mal. Hein. On a déjà eu moins bien servi, hein. Beaucoup moins bien servi. Ouais. Franchement, top. C'est sûr. Passe bien. Bon ben voilà, après un petit spectacle que je n'ai pas filmé, nous allons nous diriger vers Toy Story Mania. Il est en principe identique. Hein. C'est le monorail qui passe dans les deux parcs, c'est fou ça, c'est génial je trouve. Donc Toy Story Mania qui doit être sensiblement pareil à celui qu'on trouve à Disney World. Voilà. Et je vais filmer ça. Enfin, c'est en 4D, donc je pense que sur l'image, ça va pas bien donner. On verra. Let's go. Bon, il y a quand même des airs au studio Hollywood, là. De Disney World et aussi au studio de Disneyland Paris. Il y a des airs. C'est pas comme si le dépaysement était total et que... voilà. Par exemple, Animal Kingdom et Epcot à Disney World sont complètement originaux. Que ces deux-ci, enfin, le California Resort, hein, le Disneyland Resort, lui, voilà, c'est quand même le frère jumeau, entre guillemets, de Magic Kingdom et de Disneyland Paris. Mais ici, tu as quand même des airs de studio et de studio Hollywood à Disney World, quoi, quand même. Il n'y a pas un total dépaysement. Comme on peut être dépaysé à Animal Kingdom et Epcot. Voilà, c'est ce que je veux dire, quoi. Voilà. Oh, elle est... Par contre, la tour de l'intérieur, ils l'ont bien refaite. Hein. Elle est belle, hein. Bon, la tour de la terreur, enfin, ici c'est pas la tour de la terreur, c'est l'attraction des gardiens de la galaxie. Ça a été, le thème a changé
Et on va la faire juste après Toy Story Mania. En tout cas, on va la faire après Toy Story Mania et on verra ce que ça donne. C'est une grande première pour Amanda qui n'a jamais fait la tour de l'intérieur de sa vie. Elle est stressée. C'est le défi. On a chacun un défi pendant ces vacances. Moi, c'est de monter à cheval parce que je n'aime pas ça du tout. J'ai déjà testé une fois et j'ai détesté. Ce qui fait que d'ailleurs, j'ai même pas su me tenir droit sur le cheval. Donc là, je ne sais pas comment je vais faire. En tout cas, je vais monter dessus et après, on verra si je continue à pied ou pas. Et bon. Sinon, c'est de votre cheval. Oui, pourquoi pas. Je préfère encore. Je suis quand même impressionné par la taille de ce parc. C'est là, on avance, on découvre depuis ce matin. On va peut-être passer une fois ou deux, aller plus ou moins dans les mêmes zones, mais pour le reste, c'est que de la découverte. C'est incroyable, je trouve. Mais il y a quand même des redites. Par exemple, là, ce que vous voyez là, c'est... Ça me fait vraiment penser à ce qu'on peut voir. Mais c'est quoi cette attraction là en fait? C'est Spider-Man ça? Ah ouais, ok. Ouais, bah donc ouais, c'est logique que ça me fasse penser puisque c'est la même quête que dans le resort parisien. Ok. Ouais, c'est sympa. C'est cool aussi. Bon, on vient de passer devant l'attraction de Spider-Man et vu le peu de temps qu'il y a d'attente, on va se caler ça avant Toy Story Mania. Et comme ça, Amanda repousse l'échéance. Mais non, mais Toy Story Mania c'était à 14h30. De toute façon, il est 14h17, on fallait quand même attendre. Elle repousse l'échéance. You know the drill. Please step into the vehicle, take a seat, and put on those web vision targeting glasses. They'll help you find all those random spider bots. Perfect. Hold together, lower down the lap bar all the way down. Perfect. All right. We'll help you. Gotcha. I'm glad to see you guys. On a fini Spider-Man et je suis éclaté. Et des 4 ici, j'ai obtenu le meilleur score. Oui. On verra pour le jeu de Toy Story Mania. Mais là, il a un net avantage parce qu'il faut tirer sur une petite languette et il est très doué pour ça. Il a beaucoup, beaucoup d'expérience.